Moi, je suis déjà très heureux d'être là. Après, ça s'est passé très vite. Dans l'après-midi, j'ai eu un appel du sélectionneur en disant ben voilà, Morgan, tu dois venir parmi nous. Il y a eu un blessé. Et voilà, donc je suis un homme très heureux aujourd'hui. Et voilà, j'espère donner le meilleur de moi-même et contribuer dans cette Coupe du Monde. J'ai pas tout de suite réalisé ce qui m'arrivait. Pour être honnête, j'étais en mode vacances, si je peux dire. Et j'ai pas réalisé tout de suite, mais c'était beaucoup d'émotions. Et après, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont aidé à en arriver là. C'est quelque chose de magnifique. C'était déjà très bien d'être dans les 30, mais aujourd'hui, être dans les 23, c'est encore une autre expérience. J'ai hâte d'être au Brésil et de commencer l'aventure. Comment tu te sens physiquement, psychologiquement ? Ah ben, psychologiquement, j'ai pu faire un peu le vide, pour être honnête, et pour même si c'est que 7 jours, 8 jours, j'ai pu penser à autre chose, un peu me vider la tête. J'ai quand même essayé de faire un petit peu de sport et voilà, aujourd'hui je me sens bien, mais on verra, il me faudra encore quelques jours pour retrouver le meilleur de ma forme, je pense. Ouais, une pensée, j'imagine, pour Franck et Clément. Ouais, bien sûr, une grosse pensée pour eux, vraiment, c'est quelque chose de très dur. Vraiment rater une Coupe du Monde et en plus c'est des gars super bien, c'est des très bons joueurs. Aujourd'hui nous, Rémi et moi, on va essayer de donner le maximum et bien sûr moi et tout le groupe, on a une pensée pour eux parce que c'est quelque chose de très dur et on espère faire quelque chose de grand pour eux.